On se retrouve pour le troisième épisode de Castle Crashers avec notre petit ami le chevalier gris, ce Grey Knight, ça le fait plus. Niveau 7 déjà, c'est vrai que dans les épisodes j'espérais quand même avoir un peu plus de niveau, enfin prendre un peu plus de niveau. Du coup on s'était arrêté, non pas là. Voilà, on s'est arrêté là, on avait battu le poisson-chat. Ah, c'est un poisson-chat, d'accord. On avait battu les deux boules de poils, enfin plutôt la boule de poils, on avait échappé à la seconde. Et du coup, on recommence tranquillement par ici. Alors, où cela nous mène-t-il? Ah oui, donc du coup, on sort de l'eau. Il n'y aurait pas quelque chose dans l'eau, on peut pas aller dans l'eau, d'accord. On peut pas aller sur le bateau. Le feu, je vais me faire brûler. Alors ça, c'est le... J'ai pas envie de lui parler. Ça, c'est le roi. Souvenez-vous, on l'avait vu dans la... Dans le premier épisode où il se faisait voler son joyau, le joyau du roi, du coup bien embêté. Ah oui, bah, je suis bête, on l'avait vu aussi dans le dernier épisode contre le chat. Toujours avec notre arme poireau. Ah oui, attendez, attends que je suis là, voilà, je monte la pelle. Bon, on va d'abord battre les oursons. Bah c'est les, en fait c'est les mêmes qui... enfin il y en avait un comme ça sur le chat. Enfin ou plutôt le chat l'utilisait. Je sais pas exactement ce qui se passait. Ah. Alors est-ce qu'on tape un peu plus fort? On tape du 8, je sais plus si j'avais augmenté ou pas. Alors je vous l'ai dit à la fin du dernier épisode, il m'a lancé quoi. Je sais plus si on avait augmenté ou si j'avais augmenté ou pas le quoi. Bonne question. Oui la force quoi. Ah oui, alors j'avais aussi... j'avais trouvé une attaque la dernière fois. Non, pas ça. Je crois que c'était ça. Non, bon, tant pis, ça marche pas. C'est bon, t'es mort? Ah. Ça, c'était pas mal. C'est bon, t'es mort? On prend la pièce. Ah bah, elle est là. Alors, voilà, j'ai la pelle, je creuse, j'appuie sur B. Et une chaussure, super. Bon, tout ça pour dire que, voilà, on peut trouver... On peut trouver par-ci par-là des petites marques. Voilà, alors. Je vous avais parlé de la corne de brume aussi, que je n'ai pas. J'en ai pas parlé, c'est ça? Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas un spoil, hein. En soi, c'est bon. Oui, au bout d'un moment, on obtient une corne de brume. Donc, à certains endroits, on peut l'utiliser, dont là, par exemple. Alors, après, il n'y a rien de spécial ici. Je crois qu'il y a un petit animal qui sort, comme notre petite girafe, trop mignonne. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moment où c'est décisif, mais c'est pas maintenant, quoi. C'est pas maintenant. Alors, je sens que... Oh, ah oui, ah là là. Alors, eux, ils ont la chance d'avoir des super pouvoirs comme nous, en fait. Ils sont bien chiants. J'aimerais bien les jouer, eux, ils sont sympas. Histoire de prendre un peu les méchants. Alors, oui, il faut pas que j'oublie que, du coup, moi aussi, je les ai, hein, les super pouvoirs. Si je me souviens comment les... Voilà, comment on les utilise. Bon, c'est vrai, je les ai pas trop... Pas mal, pas mal. Je les ai pas trop montés du coup. Normalement, je vous dis, hein, je monte ça dès le début. Enfin, dès le début, voilà. La première chose que je monte. Ah ouais, j'ai préféré. Enfin. Disons que c'est bien d'avoir. C'est pratique d'avoir des attaques surpuissantes comme ça. Mais c'est vrai que je vous crache pas sur un petit peu de force en plus. Parce que, comme. Principalement. J'attaque au corps à corps quoi. C'est plus pratique. En fait, ça m'avait beaucoup aidé parce que le premier personnage que j'ai joué, c'était le chevalier rouge. Et le chevalier rouge, alors au lieu d'avoir une attaque comme ça, il a un éclair. Mais comment je peux vous dire ça? En fait, voilà, il y a deux sortes d'attaques. Hein. Les attaques où on appuie une fois et voilà, ça fait juste ça et c'est tout. Et les attaques comme le chevalier rouge, donc le chevalier de foudre, où on reste appuyé et il y a un éclair qui reste tant qu'on a du mana, tout simplement. Et forcément du coup c'était vachement rapide, pas vachement rapide, vachement pratique. Alors ça c'est ouais, oui c'est ouais, c'est plus ou moins un boss, on va dire plus un demi boss. Un demi boss. Oh. Ah je me suis trompé plutôt, c'est ma faute. Un demi boss dans le style vous souvenez dans les premiers niveaux quand il... Ça a vite me gaver ça. Dans les premiers niveaux quand il y avait le barbare. Oh là là, mais j'ai plus de vie. Voilà, je vais garder ça à côté. Dans les premiers niveaux où on se battait contre le barbare, juste avant où on s'était battu contre un chariot. Pas un chariot, un char plutôt.
On va en prendre une parce que je me méfie. On s'est battu contre un char et bon voilà que je qualifierais également de demi-boss. Bon, faut arrêter là un petit peu. En fait, je les battrais bien les petits oursons là qui ceux-là, les casse-couilles. Mais j'ai peur que qu'en fait ils reviennent. Dans le sens où ça sert à rien de les battre. Allez, tant que je suis aussi dans ce que je monte et ce que je monte pas, c'est vrai que monter la défense, enfin. En fait, j'étais pas surpris, mais j'apprenais quand même que en montant la défense, on augmentait la santé, et c'est vrai que c'est pratique. Hein. Je le dis. Je lorgne un petit peu ma vie parce que je vois qu'elle descend vachement vite aussi. Ah, voilà, regardez. J'en ai tué et ils reviennent à côté. Chier. Voilà. On va faire comme ça. Ok, plus de mana. Voilà. Non. Oh là, mais il est chiant lui aussi. Je me demande si. Bah non. J'allais dire, je me demande si jamais on joue lui. Parce qu'il y a possibilité, je crois, concrètement, de jouer tous les personnages hein, pour peu qu'on les débloque. Je me demande si. Si jamais on. Wow, la vie. Hop là. Si jamais on le débloque, faudra que j'aille faire la razzia. Si jamais on le débloque, si on peut faire ça tout simplement, je pense pas. Parce que je vois pas comment c'est possible en fait. Mais c'est vrai que ce serait cool. Et mais franchement, il me prend la tête. Hein. Voilà. Allez, on arrive à terme là. Allez, crève. Je vais vous le faire le fou. Ah c'est bon. Alors rendez-moi visite. Ah non, je te veux pas toi. Alors lui, de souvenir, de mémoire, il me semble qu'il attaque les ennemis. Un petit peu, genre. Genre il leur fonce dessus, c'est pas très. Enfin clairement je m'en fous. Oh cul. Arrête. Bon alors eux ils sont lents. Alors. Merde. Attendez, je rêve ou l'autre il a fait la toupie là. Lui là. Il a pas fait. Ah putain, maintenant ils vont tous me le faire, tu vois. Ah ouais, enfin, ça m'arrangerait quand même beaucoup d'augmenter la vie, hein, parce que pas la vie. Oh putain, même ma vie elle descend. Je sens qu'on va mourir. Il n'y a pas de. Oh putain, ouais, en fait, il est vachement dur ce niveau. J'aurais dû faire le plein avant. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Merde. Ça m'aurait arrangé. Oui, d'avoir un peu plus de mana parce que c'est vrai que. Alors, j'ai oublié de vous le montrer. Il me semble qu'on a commencé le jeu. Mais. Attendez, je vais juste tuer lui. Oh, mais viens ici! Putain, ils me foutent la rage. Ah voilà. J'ai la possibilité de me protéger avec un bouclier. Alors je pense que ça vaut surtout pour les ennemis qui utilisent des boucliers. Pas des boucliers, des arcs. On y arrive. Après ouais, faut rester à voir si ça s'applique à d'autres choses. Donc là comme niveau vie, je suis en manque un petit peu, je vais pas prendre de risque. Allez, une petite. Ah. Un petit truc à manger pour le coup, si jamais je vois des marques par terre, je. Ah bah voilà, je suis en train de me dire, je sais que ça va être mis à disposition bientôt. Oui, si je vois des marques par terre, je vais creuser parce que. Il me faudrait vraiment que j'ai un peu de nourriture. Voilà. Non, bon d'accord. Alors, y a rien. Ah bah oui. Eh regardez, il est encore là lui avec son drapeau. Alors ça, voyez-vous, c'est une technique vachement utile. Je sais pas si c'est une technique officielle. Ou c'est juste on. Oh merci. On utilise on va dire le gameplay du jeu. Voilà, c'est je saute mais je retombe pas parce que je suis en train de frapper un ennemi. Et c'est vachement pratique.
Alors bon, bien sûr, par exemple, je pense au boss, ça s'applique pas. Mais voilà, pour voilà, quand on est un peu ric-rac niveau niveau santé, c'est pratique. Et puis même si on l'est pas, hein. Même si on l'est pas, on va dire que c'est bien utile. Y a rien là. Oui. Là, normalement, il faut mettre une bombe, mais j'en ai toujours pas acheté. Bah, en cas quand j'achèterai des potions, j'en prendrai aussi. Il faut mettre une bombe et non, tu veux pas. Okay. Et on trouve aussi un autre familier. Alors. Je sais plus lequel c'est par contre, je suis désolé. Vraiment, je sais plus lequel c'est. T'es flippé lui. Super. Ah non, pas vous quoi. Pas vous, mais non, il a un drapeau lui aussi. Super, on va faire la toupie. Allez, cassez-vous. Mais... Oh, remarque, non, ça va, ils sont pas compliqués à battre. Enfin, compliqués. Ils sont pas longs à battre. Vous l'avez vu lui derrière là? Enfure. Oh là là. Ah, y a pas moyen de. Non, que vous me donniez quelque chose à manger. Ah, manger. Ah. Ah. Bah. Ah. C'est joyeux tout ça. C'est stylé. C'est stylé parce que du coup, on voit que le crâne est. Que le crâne est comme ça. Ah, trop fun. Trop fun. Mais c'est. C'est pas très. Ça donne pas la confiance, voilà. Voilà, ça donne pas la confiance. Ça ne donne pas confiance. Voilà. Alors. Ah merde. Alors. Ah merci. Ah merci. Une potion au moins utilisée. Alors là par exemple sur eux, je peux pas non plus utiliser le coup de je saute et je l'ai vu ça. Reviens. Prends ça. Oh là là, allez vas-y. Ah bah c'est bon. Je garde juste. Ah bah tenez. Bon, je sais pas si ça va marcher sur eux mais. Ça marche pas, c'est ça? Non, j'ai dû me louper en le lançant. Ok, ça marche pas. Super. Vive l'exemple de balle. Je montrerai sur les vrais ennemis, on va dire, dans le sens de genre les barbares ou les ours polaires assoiffés de sang. Ça bon, vous êtes un peu énervant, je veux pas être méchant, je sais c'est votre grotte mais bon lâchez moi quoi. Non, clairement je tape pas fort, hein. J'ai hâte. Hey, mais en fait je suis level 9. Non, ça j'ai pas utilisé. Je suis level 9, vous savez ce que ça implique? Ça implique que le mois prochain, ouais. ça implique que à mon prochain niveau je pourrais changer d'arme. Et au niveau 10, on commence à avoir des armes plutôt intéressantes. C'est vrai que là, niveau 1, bon bah on a pris le brocoli parce que bah c'est bien pratique. Mais niveau 1 on a pris ça, niveau 5 il n'y avait rien. Alors comment je le bats lui déjà? C'est pas. Non. Ah oui. Non. Super, la vieille attaque de Pokémon. Arrête! C'est quel Pokémon qui fait ça? C'est excellent. Arrête. Super efficace. Putain, mais il fait ultra mal quoi. Mais là c'est la fin du niveau. Il me semble. Alors, on va se mettre là, on va l'attaquer un peu à distance. Non 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 non. Peut-être qu'il revole pas tant qu'il nous a pas léché. Ok, dommage. Oh non, pas le poison quoi. Ah, oh, casse-toi toi aussi. On avait dit pas le poison. Et ça fait pas mal, hein. Très franchement, je suis un peu déçu. Hein. Mais j'arrive pas à chaque fois qu'on me demande d'appuyer sur la touche X, je me retrouve à appuyer sur la touche B. Je suis vraiment. Putain, cassez-vous, merde! Ah ouais, ça fait carrément plus mal hein, quand je fais ça. Ouais, donc du coup, ça c'est le boss. Hein. Lâche-moi.
Je rêve où je foutais. Je sais pas. C'est moi qui me prends des 20. Le génocide de cho... Ah bon d'accord. Non. Allez c'est bon. Non non. 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 Oh non. Oh non t'es sérieux. Oh non. Oh putain. Oh je suis dégoûté. Oh putain. Bon attendez. 1, 2, 3, 4. C'est vrai qu'il y a ça aussi d'un côté. Bon, juste cette fois-ci, voilà. On va tout mettre là-dedans. De toute façon, je vois qu'on a aussi bientôt un niveau. On met tout là-dedans, comme ça, on a une nouvelle attaque magique. Qui est. Ok. Et du coup, on reprend où? Ah, non, ça va, on reprend là. Ah, vous savez quoi arrête. Je vous reprends quand je vous reprends quand quoi? Oui je vous reprends quand j'ai passé ça. Comme ça voilà. À tout de suite. Bon voilà on se retrouve on se retrouve donc pendant le combat. Voilà. Juste pour reprendre avant de passer niveau 10. Finalement ça n'a pas été très long parce que je me suis souvenu qu'en appuyant sur Y. Voilà, ça fait une attaque assez conséquente. Alors bon, merci. Contre le boss, c'est pas très bon. Mais pour le coup, voilà, contre les petits monstres. Enfin bon, c'est que je dis ça. Et regardez aussi. Alors quand je lance ça, voilà. Maintenant on attaque. Notre attaque fait vraiment, vraiment plus mal parce que. Attendez. Ah. Oh c'est... Ah je l'ai utilisé comme un con. Je l'ai utilisé comme un con, c'est pas grave, de toute façon je dois en retourner en acheter. Oui vraiment plus mal parce que elle faisait combien, il me semble qu'elle faisait 6. Non elle faisait 12. Non 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 non. Ah merde non mais me coince pas dans un coin putain. Non t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Non. Non. Oh putain t'as fait chier. Oh fait chier. Bon alors là autant la première fois c'est moi qui fais le. Ouais bon si on veut on va augmenter la puissance et la défense. De toute façon on va attendre un petit peu pour les pouvoirs magiques. Ouais non oh putain sans déconner quoi. Attendez. Déjà on va aller là. On va voir maintenant qu'on est niveau 10 pour une nouvelle arme. Première chose, alors niveau 1, niveau 15, non, niveau 10, non, ça nous enlève de la magie, niveau 15, 10, ouais, bof, enfin ouais, bon, pas mal, mais niveau 10, non, 1, 15, 10, ah, elle enlève 1 de force, ouais, non, enfin, je disais que... Si on n'en trouve pas une autre, on gardera celle-là. Bon, elle enlève un peu de... Ouais, alors un peu plus. Attendez. Ah, fait chier, il n'y en a pas une. Voilà. Ouais, en fait, non, comme notre agilité déjà au minimum, elle nous rend pas plus lent. Mais par contre, elle nous rajoute 5 de... Ouais, ça, c'est intéressant. J'avais remarqué que ça bougeait. Alors, attendez. 5 d'un... 10... Ah. Non. Ah, là, il y en a plein de 10. Non. Par contre, celle-là, elle électrocute, c'est cool. Celle-là est intéressante pour la magie, mais bon. Je préfère celle qu'on a quand même. 15, 15, 15, 20, 5. Bah alors. Ah. Ah. Ouais, non. Non. 6, non, elle est nulle. 15, ok. Bon, bah en fait, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Bon, celle qu'on a. Désolé, celle qu'on a est plutôt bien quand même. Je suis pas. Voilà. Bon, écoutez, alors, seconde petite ellipse. Je vais acheter des potions et je vous retrouve encore une fois quand j'ai commencé à entamer le boss, on va dire. Voilà, tout de suite.
Bon voilà, on se retrouve, j'ai déjà entamé à moitié le boss, alors du coup j'ai pu tester l'épée, qui est pour le coup vraiment pas mal. On attaque à 16, je crois qu'on attaquait à 10. Ah vas-y, non, me refaites pas le coup. On attaquait à 10, donc ouais, pour le coup c'est vraiment pas mal. Non. Ah, t'as... Voilà. Oui, on attaquait à 10, on attaque à 16, c'est pas mal, hein, écoutez. Ouais. Ah, me refais pas le fou, hein. Ah, tout à l'heure, il nous a coincé contre un mur, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Attendez, comment je vais faire ça? Voilà. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Un coup de couteau, deux coups de couteau, trois coups de couteau, t'es mort! Mort, en l'occurrence. Eh ben... arrivé après la guerre, vous. C'était sacrément périlleux. Alors du coup, on a gagné la petite chauve-souris qui attaque les ennemis et nous donne de la vie. Redonne un petit peu de vie, hein, c'est relatif. Je garde quand même... allez, dégage ton cheval. Je garde quand même ma girafe. Hein. Non? C'est bugué? Voilà. Et on arrive... J'arrive pas à savoir qui je suis, c'est fou ça. 83 tués. Ouais, je suis quand même, je veux dire, pas beaucoup d'or. Par contre, pas beaucoup d'XP, mais bon, on compte pas évidemment ce que j'ai eu avant. Je suis quand même 3 niveaux aujourd'hui, c'est pas trop mal. Et donc, vous voyez que voilà, maintenant on a le droit à deux chemins. Le château industriel ou le champ en fleurs. Alors, de souvenir, le château industriel est vraiment très dur. Et me direz-vous, là, à partir de... Vous voyez, le cadenas en bas à gauche, en haut à gauche. Vers là, ça commence à se compliquer, on va dire, sensiblement. Enfin bon, du coup, on commencera par là. Mais pour l'instant, on va se quitter ici. Alors, j'espère que l'épisode vous aura plu. Même s'il m'a donné du fil à retordre, hein, cette chauve-souris était vraiment compliquée à battre. Écoutez, ça a vraiment plu de tourner, tout simplement. Je me suis bien amusé. C'est vrai que c'était marrant, ces petits fails, on va dire. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un like, vous connaissez, voilà. Écoutez, voilà, encore merci et à la prochaine. Ciao, ciao!